Wesh les gars, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller se faire tatouer les gars. Donc voilà, c'est le premier jour, c'est le jour J, je suis totalement en stress, totalement en panique. Je perds mes moyens là, donc je sais pas trop comment va se dérouler ce vlog. Je vais pas emmener ma GoPro, donc je ferai des sessions avec mon téléphone parce que j'ai pas envie d'arriver là comme ça avec ma GoPro, comme ça, tac. Et faire le singe comme ça avec ma GoPro le premier jour. Donc peut-être les prochains jours, je prendrai ma GoPro. En tout cas, là, je vais bouger, je vais y aller et je vais faire des petites sessions avec le téléphone. Stress, je suis en panique, je suis essoufflé encore là. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Ça va être un changement radical dans ma vie. C'est un très gros projet. C'est un très gros projet physique. Donc, je suis pas bien là. Je suis en stress. Ça va être long. Ça va être dur. On va souffrir. Et voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai peur. Il est 10 h du mat là. Donc là, je vais bouger. Je vais l'acheter à manger pour bien manger avant parce que c'est important. Et vas-y, c'est parti, les gars, c'est parti. Allons-y, souhaitez-moi bonne chance. Oh mon Dieu, j'ai peur. Petite décalque, les gars, voilà. Le maître, il est en train de travailler. Là, tu décalques tout pour avoir tes repères après, c'est ça? C'est ça. Tant que ça, tu poses ça sur le bras et tu tatoues direct. C'est ça. C'est Enfin, non, incroyable. ça c'est juste pour voir la taille. Ah Après, oui. je vais te faire le calque que je vais te poser sur le bras. Ok. Là, je sors un peu les tailles pour voir ce que ça va donner. Ça va être plus par là, je pense. Tranquille derrière, comme ça. Ça m'a l'air cool. Là, ça passe bien. Je suis dans ma bulle, c'est vrai. Je vois les putes, je vois les faux, les vrais. J'ai des défauts, je le sais. Le buzz n'arrangera pas mon passé. J'esquive les traites, les deux putes, tous ces gens qui nous ont déçus, on les Bon là les mecs, petite pause. Je vais recharger mon bigo aussi parce que depuis tout à l'heure en fait je suis en train de regarder ma série. Et du coup, consomme. Du coup je vais recharger vite fait. Putain, je suis arraché. C'est trop bien les gars, le corps humain, je vous jure c'est trop bien. En gros, je vous explique. Votre corps en fait il se met en sécurité. Ça veut dire pendant une heure votre corps il s'habitue à ce qui se passe. Et pendant une heure en fait vous sécrétez un truc qui vous stone. Un peu de la morphine naturelle tu vois. Et là vous voyez là je suis défoncé là. Ça se voit à ma tête. En fait, c'est naturel. Là, on a bien avancé. Ça pète, hein. Ça pète, hein. J'espère que vous aimez bien. J'espère que vous aimez bien. Ça va être incroyable. Quand il va y avoir le reste, là. Celui-là, ça pue la merde, là. Il n'y a que celui-là, tu vois. Je sais pas, aujourd'hui, on va faire quoi. Là, il a mis quoi, là, 2 heures, là. Pendant 2 heures, on s'est pas arrêté. Tranquille. Mais j'aime pas m'arrêter, parce que là, tu vois, on va y retourner. Ça va faire mal sa mère. Là, on reprend un peu d'énergie. On respire vite fait. Après, on y retourne. La tête, elle tourne à mort. Enfin, j'ai pas la tête qui tourne. C'est comme si je venais de me réveiller, en fait. Bon, et là, du coup, ceux qui connaissent pas trop les tatouages, bah là, je suis en train de douiller, là. J'ai le bras, il est tout gonflé. Et en fait, là, ça me fait mal, bah, parce que c'est ouvert, tu vois. Le bras, il est ouvert, là. Ça fait comme une brûlure. Ça fait mal comme une brûlure, tu vois. Donc, en fait, lui, il calque son truc. Et après, tu vois, il vient. Ah, là, tu vois la peau, elle est gonflée. Tu vois comment la peau est gonflée? T'as vu la nuance là que ça fait? Et en gros, bah, il te charcle la peau, du coup, après, bah, ça fait mal. Donc là, j'ai mal là, actuellement. Ça fait plus mal comme ça que quand il pique, limite. Tu captes? Eh ouais, mon ami. Visky la police, moula dans le caleçon, 5000 tonnes t'es vite. Le pneu j'dis, doit les faire fumer, j'ai ce qu'on emprunte, j'ai pour te fumer un tour dans la ville. On les fait danser, là mais ce m'attend pas, j'contrerai le danger, j'me transforme, j'suis en évolution. Mon pote reste là, écoute ce bon son, j'écoute l'approche, moi j'aime refrain, monte la cagoule et fais les danser. Moula dans le caleçon, où elle est violette, du coquin glaçon et j'peux le ticket. Je viens du coteau, parce qu'il aura le plus loin. Je vois votre game comme des Pékinois. Tu m'envoies des zoulous, je pile l'armoire. Je demande souvent, personne crie moi à moi. Elles savent ce qu'elles sentent, ce que donne un pilon venant d'ailleurs. Je lui ai pas donné ce qu'elle a demandé, comme si on était sur Brazzers. Et les mecs arrêtez tous, vous pensez d'Empire. Ils se prennent tous pour Lucius, pourtant ils suceraient leur employeur. Tu sais pas. Moi en vrai, les gars, je suis content parce que j'ai pas trop pissé le son. Vous voyez là, un peu de sang. Mais d'habitude, je pisse beaucoup plus le son. Donc là, je suis content. Ça pisse pas trop.
Non, c'est bien enflé, c'est bien gonflé, vous voyez. J'ai un avant-bras de bonhomme, là. Là, en gros, là, je viens de retirer le cellophane. Je vais le rincer à l'eau et on va laisser sécher après. Putain, les gars. Putain de merde. Oh, il est 2h du mat. Oh, ceux qui connaissent les tatouages et tout. Oh, vous savez comment la première nuit, c'est chiant. Oh, frérot, c'est trop dur de dormir, là. Oh, bah, ça démonte dans les draps et tout, ça fait trop, trop mal. Ah, ça tend la peau, c'est trop chiant quand tu dors, mon ref. Ça fait trop mal. C'est une blessure, tu vois. Donc, dans ton lit, avec les draps et tout, ah, laisse tomber, c'est tout sec. Ça fait mal. Wesh les gars, comment allez-vous? Écoutez, aujourd'hui, jour 2, le vlog tatouage. Je pense que celui-là, je le mettrai dans le vlog 1. Comme ça, je ferai juste 2 vlogs pour les 3 jours. On est en live, j'ai pas dormi. Voilà, on est en stream, je suis avec Twincy sur LOL. J'ai pas dormi, j'ai pas réussi à dormir. J'avais mal au bras. Du coup, là, pour jouer au PC, j'ai mis ça. Et bah là, du coup, les gars, je vais pas vous mentir, c'est la merde parce que j'ai pas dormi. Je vais aller sur la table directement pour faire tatouer sans avoir dormi. Vous avez vu hier comment j'étais foncedé au bout de 2-3 heures là pour la pause bouffe. Donc bah, je sais pas comment ça va se passer. On va voir et voilà. Hein. Attention, transition chez le tatoueur, vous êtes prêts? Transition de fou. Bon bah, je viens d'arriver au tatoueur mais il est pas encore là, du coup je vais attendre un peu. J'ai plus qu'à attendre. Tranquillou. Si ça peut bien être. Confinement numéro 2, je suis là, je suis avec mes rangs. Ouais. Confinement numéro 2, posté avec mes rangs. Je suis là, j'allume le bédo. Ouais. A qui la faute, je sais je votais. Ma parole contre un autre et je vais les choquer. Moi tu pars mal à petit fils de pute. Apprends à fermer ta bouche au bord de la chute. Range ton truc, position de force est à nous. Va t'arracher comme des loups, j'appelle la meute. Équipe de dérangés, ma gros y'a que des fous. Eh fuck les hops, ça j'suis dans la suite. C'est quoi ce soir, j'fais couler du rouge. Arme lâche une dance ray. Moi ouais, gros ce soir j'fais couler du rouge. Le sang de mes ennemis me sert de protéines. Gros j'l'ai détruit comme de l'héroïne. Qui veut ma peau, qui veut ma somme. Et j'vais te la mettre dans ta pomme ray. Que des fous, trafic mon ref, on est là. On se balade dans la Havana. Y'a que des fous, y'a que des gars. Y'a que des fous, y'a que des gars. Ça se barre dans la Havana. Et la meuf, putain, elle est bonita. Le compteur à zéro, je reçois un appel sur mon bico. C'est la mort qu'appelle. Mes yeux absorbés par le giro. Depuis... Ah, je me suis endormi, les gars. Je me suis endormi pendant qu'il me tatouait. Attendez, je vais vous montrer. Deux pieds dans la merde et le moral à zéro. Mes mains dans le sol veulent réveiller mon ego. Je les ken fort, je vais leur faire mal sa mère. Au double d'effort pour faire le triple montant du patron de son salaire. Qui t'a peur de trois affaires, c'est pas important. Tant que tu remplis mon chèque, on fait partie de la pire espèce, on est les bordants. De talent et puis de t'espère, notre défaite avant la mi-temps. Et je suis avec Habib dans la Havana. Et puis mes bitches sont trop bonitas. Les murs vont trembler si on passe à la combat de hurre et tu finis à l'hôpital. J'ai fait le tour de la zone, ton équipe est remplie d'échecs. Ici ça compte même plus les sommes. Wesh les gars, je vous ai totalement oublié. Je suis complètement dans les vapes là, j'ai la tête dans le cul. J'avais pas dormi comme je vous l'avais dit. Du coup bah j'étais un peu défoncé, j'ai dormi toute la séance. Je vous mens pas, je sais pas pourquoi. J'ai réussi à dormir toute la séance, donc ça s'est très bien passé. J'ai pas eu mal, tout était carré, donc voilà. Demain 11h, encore la même torture. En tout cas ça va, je pensais que ça allait être dur et tout. Là c'était le deuxième jour, j'appréhendais de fou et tout. Et au final, Ça a coulé tout seul, donc bah, je suis content, j'appréhendais un peu pour rien. Par contre pour demain j'appréhende parce que c'est la troisième journée de suite comme ça. Il y a moyen que je perde patience, tu vois, parce que c'est beaucoup de patience et de mental. Et j'ai trouvé une stratégie pour le mental. J'ai réussi à trouver un bouton
dans mon cerveau qui désactive mon bras et la douleur de mon bras. Du coup, à chaque fois que ça commence, je cours au bouton d'arrêt d'urgence, j'appuie dessus et ça fait plus mal. Il n'y a plus de douleur dans le bras. Le cerveau, c'est incroyable. J'arrive à faire des choses folles. En tout cas, les gars, demain, gros bisous. Wesh les gars, c'est le troisième jour. Du coup, bah là, on va partir sur un petit tatouage encore là pour le troisième jour d'affilée. T'es chaud, David ? Toujours chaud. Moi, je suis un peu moins chaud, les gars. Là, je vous mens pas, j'ai un peu la flemme. Mais vas-y, tranquille. On va y aller. Ouais. Tu pleures ta meuf qui t'a quitté, non pleure nos proches. Parti trop tôt, comprends que jamais on s'entendra. Bon, moi j'ai pris ça graille, les gars. Bon appétit. Tire en tic tac, menta de pique, ça tu savais pas. Un grand m'a dit, le respect est mort quand on te l'amène. Bon, les refs, j'en sors enfin. Voilà les 3 jours intensifs qui signifient du coup la fin de cette petite vidéo, les gars. Je sais pas comment je vais m'en sortir au montage, je sais pas ce que je vais cut, je sais pas ce que je vais laisser. En tout cas, voilà, ça a été 3 jours très intensifs. Il y a eu à peu près 21 heures de tatouage, à peu près. Donc voilà, le tatoueur me l'a dit lui-même qu'il était choqué que j'ai tenu 3 jours de suite comme ça, sachant qu'il m'avait déjà fait l'intérieur du bras ici. Il y a 5 ans, il y a 5-6 ans. Et du coup, il s'était rappelé de moi parce que je lui avais cassé les couilles, j'arrivais pas à tenir et tout. Donc là, vraiment, il m'a dit je suis vraiment choqué que tu aies tenu 3 jours de suite comme ça. Parce qu'il m'a dit, ça m'est déjà arrivé, mais rarement, de faire une journée, puis le lendemain, et les gens, vraiment, ils ont du mal. Et moi, j'ai fait 3 jours de suite, et j'ai pas bronché. Il y a vraiment pas un moment où j'ai bronché, j'ai bougé, où j'ai été impatient. Vraiment, je sais pas comment c'est possible, les gars, je sais même pas moi comment j'ai réussi. Mais j'ai réussi à trouver le mental et tenir, et faire abstraction de la douleur. Je sais vraiment pas comment j'ai fait, je me suis vraiment surpris. Et en vrai, c'est vraiment cool, hein. ça donne une petite confiance en soi, là. Vraiment, là, j'ai l'impression de ressortir... plus fort de cette expérience. Ça peut paraître débile, mais j'ai l'impression d'avoir glow up sur ma force mentale là. Je savais qu'avant j'avais un mental déjà de guerrier, sans gonfler mes chevilles. Je savais que j'avais un beau mental déjà avant pour des choses dans la vie que je voulais et que j'ai tout fait pour les avoir, mais là un mental sur ça, sur la douleur, je savais pas que j'étais capable. Donc bah, je suis content. Donc voilà les gars, le projet est, on va dire, à 60%, 70%. Il restera encore 2 ou 3 séances au mois de décembre sûrement pour finir le bras, et j'ai hâte parce que j'aime pas quand c'est comme ça là et qu'il en manque. Donc voilà les gars, je vous mets un petit plan vidéo pour conclure cette vidéo et terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai kiffé la tournée, je sais pas si je vais kiffer la montée, et j'ai kiffé me faire tatouer, et le tatoueur aussi a kiffé le projet d'Aric. Donc voilà, je vais vous mettre son insta dans la description si j'oublie pas. Je vais vous mettre son Instagram si vous voulez regarder ce qu'il fait, si vous voulez le suivre et si vous voulez un jour le contacter. Donc voilà les gars, j'arrête de parler, je vous laisse la fin de la vidéo. Je vous laisse le plan total. Bon visionnage. Et puis... tous les soirs, je m'occupe de faire les comptes. Je fais que bosser, j'ai leur sacoche. Faut passer de guetteur par un. Bloqué dans le bas, j'entre tard. Gros l'argent me rend fou. Rien que les michetos, j'ai renfolle. Mais tu connais, moi je m'en fous. Tous les soirs, je m'occupe de faire les comptes. J'ai bossé, j'ai dans sa gauche. Bloqué dans le badge, rentre tard. Trop large, j'en m'en fous. J'me méfie de devant, il part de toi. Et puis derrière mon frère, il s'attrape le sang. J'sais pas la pute, tu vas goûter mon poing si toi tu veux.